La tablette. Eh oui, la tablette chez K. Tu te trouves en présence de Rijou, le chef du peuple Gerudo. Si tu veux lui parler, fais-le, mais ne t'approche pas plus. Ouais. Du calme, du calme. On dirait qu'on est dans One Piece, avec le truc des femmes. Oh, ça me saoule. Cet homme ne semble pas être. Non, cette femme ne semble pas être une voyageuse ordinaire. Quel est ton nom, étrangère? Qu'est-ce qu'il va dire? Link, c'est un nom de femme, ça? Bizarre. Ah, il leur avoue en fait qu'il veut monter dedans. Ok. Seuls ceux qu'on appelle les prodiges, comme Urbosa la Grande, peuvent la piloter. Ils ont péri il y a 100 ans, et bah ouais, je sais bien, hein, qu'est-ce que tu crois? Attends. Ma mère m'avait parlé d'un épéiste tombé au combat il y a 100 ans pour protéger la princesse d'Hyrule. Il aurait alors fait plonger. Elle l'aurait alors fait plonger dans un profond sommeil. Il s'appelait Link. Comme cette personne. Comme c'est curieux. Ouais, moi aussi je trouve ça curieux. De plus, rare l'objet accroché à sa ceinture. Ouais. Ah ouais. En fait, je suis sûr qu'il sait que c'est un homme. Et voilà, j'en étais sûr. Hey, ça se voit que c'est un homme quand même. Hein. Si tu as un produit, ça change tout. Jamais nous nous aurions traité rudement un ami d'Urbosa la Grande. Et puis nous aussi, nous voulons calmer Daboris. Je pense que tu as déjà remarqué la présence de cette bête. Ben oui, évidemment. Celle que la tempête de sable protège et qui foudroie quiconque s'en approche. Ah bon? Ok, je ne sais pas ça. Nous devons à tout prix l'arrêter, mais seuls nous ne pouvons pas le faire. Ok, bon, je vais t'aider, ouais. Mais si tu peux, à n'importe un inconnu. Pourquoi ne pas l'envoyer récupérer le masque de tonnerre d'abord? Ah ouais, je veux bien. En plus, j'ai déjà le tronc. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Je vais être honnête avec toi. Il n'existe qu'un seul objet capable de te protéger de la foudre que fait tomber Nabosis. Il s'agit de. Ok. Oui, bah c'est le masque, quoi. Évidemment, il était volé comme par hasard. Si réellement un prodige comme toi le. Attends. Si réellement un prodige comme il te. S'il est réellement un prodige comme il le prétend, il ne devrait avoir aucun mal à le récupérer. Bon, ouais, je peux essayer. Si tu veux en savoir plus sur les bandits qui ont volé la relique, va parler aux soldats. Ok. Où ça? Ok. Ok, j'y vais, d'accord. Oui, d'accord, merci. Merci de ne pas m'avoir tué. C'est qui? Je peux voir ton nom? Je suppose que c'est elle. Qu'est-ce que tu fais là? Ce sont les baraquements? Oui, bah oui, je sais. Ok. Ah merde, c'était. Ah si, il raconte. Comment Bétera? Pardonne mon comportement. Je m'appelle Chérissa. Chérissa. Je suis la capitaine, ok. Oui, mais ça je sais. Ah, nous avons mieux repéré la vallée de Caltis. Ah bon? Pourquoi c'est difficile d'y aller? Écoute-moi, oui, d'accord. Hein.
Oh, bah, j'ai une idée. Non, non, j'attends. Oula, c'est là-bas qu'il faut aller? Ah ouais, comment j'y vais? T'es gentil, toi. C'est quoi ça? Ah, mais il y a une tour là. Bah voilà. On y va. En fait, j'aurais fait tout le village. J'aurais fait tout le village. Donc, j'espère que ça vous va, ça vous plaît toujours hein, l'histoire. Je vais visiter entre ça ou les Piaves, puis bon. J'ai choisi ça. Hein? Ah ouais, mais j'ai écouté 3 fois déjà, ça me saoule. Ok, c'est par là-bas. Mais jolie musique quand même. Ah, mais pourquoi il y a ça? Donc en gros, il fallait en face. Et bon, on y va. Alors, ben, le temps d'y aller, hein, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si par hasard vous tombez, ben, par hasard. Hein. D'ailleurs, je vous en remercie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu hein, sur la vidéo, ça serait gentil. On met des petits commentaires si vous voulez. Et puis, ben, voilà. Ah, peut-être pas trop que je saute. On va se dépêcher. Oh, c'est chaud, j'ai tombé là. Allez, allez. Ouais, j'ai un peu... Ah, quoi que j'ai le truc jaune, mais j'ai pas envie d'utiliser le truc jaune. Oh non, il fait froid. Pas grave. Ah mais c'est pas un truc... merde. Je crois que je pouvais marcher. J'ai rien qui me redonne du truc. Ah, je suis embêté là. Bon, moi je vais mourir. Ah bah si, je peux. J'aimerais bien que je pouvais quand même. Voyons voir. Qu'est-ce que je peux prendre? Ça suffit pas. Ah, mais j'ai touché ça de toute façon. Voilà. Désolé, hein, je suis obligé. Oh, mais je les ai déjà. En plus, l'avion est directement grillé. Oh, dommage. Donc, il faut que j'aille tuer les monstres. Si qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bah, je vais juste la jeter, hein, parce qu'il y a une boule, hein, ça se jette. Hein.
Vous voyez une boule, vous la jetez, hein, non? Comme ça. Allez. Et comme par hasard, évidemment, super dur. Désolé, je les prends pour les magasins. Ah, mais voilà pourquoi elle m'a demandé les bottes. Ah, bah voilà. Ah, c'est en face. Hop, Géronimo. Ah, c'est joli, dis donc. Et là, il fait chaud, comme par hasard. Et merde, j'aurais pas dû sauter. Tu vas y arriver. Il faut que j'appuie au bon moment et c'est bon. Ouf. Ouh, la ligne est rouge. Ça, j'irai voir après, c'est évident qu'il y a un truc là. Je sais, je suis trop. Ouh! Mais il est trop loin là. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Viens là, viens là. Non, j'aurai pas le temps si je monte. J'aurai pas le temps. Je vais attendre que la lune passe, sinon les monstres ils vont repopper. J'ai pas envie de me battre 36 000 fois. Vous serez d'accord, hein. La vidéo commence à être un petit peu longue, hein. Je me suis fait avoir une fois, je peux me refaire avoir deux fois. En plein combat, et en fait, ils ont repopé et je suis mort. Alors que je les avais tous tués. Oh putain, quand même. Ah, désolé, mais là, il me le faut celui-là. Je sais, je suis chiant, désolé. Est-ce qu'on s'y approche au moins? Ouais, ça a l'air, hein. Ils sont en dessous ou au-dessus, à votre avis?
Ah, ils sont là-dessous. Oula, les cœurs. Pas par nous pour la baston. Oh, il est beau, c'est là que je vais me mettre chez moi. Cinq, six, sept. Vous avez vu qu'il y a, comme par hasard, il y a 8 trucs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, non, 7. Ouais. Est-ce qu'il faut que je fasse incognito ou je peux fracasser tout le monde? Oula. Heureusement que je fais des one shot, hein. Où tu es, toi? Cool, parce que je l'ai cassé l'autre. En fait, faut tout ce que je les tue, je pense. J'imagine, hein. Alors je sais ce que vous allez me dire, je suis pas de mon côté, mais quand vous voyez du matériau comme ça, vous êtes obligé d'y aller. Je vais juste prendre des pierres, je ferai plus tard le... Voilà. Nous allons continuer notre aventure. Donc il faut que j'aille de l'autre côté en fait. Parce qu'il faut monter alors. Ah, mais en fait, non, c'est
C'est le sable qui tombe, je crois que c'était du vent. Ok, non, je peux pas monter. Ok, bon, elle avance. Mais le problème, c'est que c'est là où j'étais. Je comprends pas. Ah, une torche. Pourquoi une torche? Tous allumés. Je peux pas y mettre feu. Désolé. Ah, mais je peux pas tout prendre. Je comprends pas du tout. D'après le capitaine européen, les bandits se trouvent, ok. Peut-être que j'ai été trop vite en fait, mais non, ça clignote. Il faut que je prenne des informations en fait. C'est toi qui aura des trucs à lire, je pense. Je vais descendre au cas où il y a un truc en bas, mais je vois que ça. Non, ça leur fait rien, ok. Je suppose que le village continue en bas. Voilà, ouais. Il faut tous les tuer, je pense. Je vois que ça. Du moins, j'essayais. Sinon, bah tant pis, je ferai demi-tour. Hein.
Ok. Donc je suis con, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. On avance, on fait tout le tour, hein, de toute façon. En même temps, ça nous promène, hein. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sanctuaire. Mais saute! Est-ce que ça continuera encore ici? Il y a des statues en fait, donc oh, bon, bah, désolé, hein, mais je suis obligé de faire ça. Hein. Vous êtes d'accord? Si vraiment il n'y a rien, bah je vais me TP et puis on commencera. Hein. C'est un peu chiant tout le temps, faut prendre. On peut pas choisir. C'est pas bon? Tant pis. Donc là. Il y a quelque chose au fond. Non! Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être que je suis pas arrivé, je suis peut-être pas arrivé du bon côté. Possible, hein? Bon, ce que. Ouais, pour moi, c'est si je me. Je retourne une fois. C'est si je me TP, je peux pas revenir. Donc ça me fait bien chier, ça. Ouais, je sais que c'est l'autre côté, mais bon, si on peut passer par là, hein. Autant profiter, hein. On s'y approche. Sinon, bah tant pis, hein, je repars. Ça sauvegarde, c'est-à-dire qu'il y a un truc à faire là. Mais que je suis con, je me mets sur la truc. Et attendez une seconde.
En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 trucs. Elles ont tous les trucs sauf. En... Ah non, ici, ils ont tous les mêmes symboles en fait. Ne dis pas qu'on peut les brûler, ce serait con. Oh, on peut les brûler, je suis con. Super. C'est celui-là. Ça ressemble à Zelda 3 à la fin. Détruire les rideaux. Donc là, il y a quoi là? Là, il n'y a rien. Désolé, mais je suis obligé de tous les faire. Hein. Ruby, ok. Ok, le dernier. Un arc. Oh, ça fait. Hein. Ah, ok. Repère. Qui c'est ça? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est le repère des bandits qui ont volé le masque. Ouais, je sais. Si tu trouves, ils appelleront leurs camarades. Oui, bah je sais. C'est patrouiller ou manger des bananes. Haha. Quoi qu'il en soit, c'est trop dangereux ici. Alors enfuis-toi, bon, je trouverai bien un moyen de sortir toute seule. Ah, faut mettre des bananes au lieu des pommes. Hé, j'ai tué! Putain, t'es chiant! Ah, d'accord, direct. Ok.
Ok. Bon, bah, je crois qu'en fait qu'on va s'arrêter là et on va faire la suite dans une autre vidéo. Ce sera plus simple, c'est comme ça, la vidéo commence à être longue en fait. Donc, bah, merci de m'avoir suivi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez, si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu, ce sera gentil. Et puis, bah, à la suite. On va faire le repère hein, des Vegas évidemment dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.